Kamara, Omar Mulombe, Moïse Chinel, Watakanawa, Kabuya Kablo. Two, one, one, zero.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Ma Rue chez vous. C'est un plaisir, toujours un plaisir de vous retrouver dans cette émission pour partager ce moment. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur Facebook, Marius Muhunga sur notre page et également sur la page sur YouTube, Marius Muhunga TV. Très nombreux également à nous suivre à Kinshasa en direct sur A+243 et sur King TV. Nous vous souhaitons donc la bienvenue et vous remercions énormément pour l'attention que vous accordez à cette émission Ma Rue chez vous, que je vous présente depuis la capitale des États-Unis d'Amérique, Washington DC. Bienvenue à vous tous, fidèles téléspectateurs de cette émission. Je ne vous dirai jamais merci assez parce que c'est grâce à vous que cette émission Ma Rue chez vous existe et je suis très 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 content tous les jours d'être chez vous pour partager donc ce moment dans cette émission Ma Rue chez vous. Si c'est pour la première fois, sentez-vous aussi à l'aise, hein. Donc bienvenue à vous aussi. J'espère que vous allez aimer le temps que vous passerez en notre compagnie dans cette émission. Copiez le lien. Partagez-le avec vos proches à travers le monde pour venir se joindre à nous dans cette émission du dimanche, Ma Rue chez vous. Vous savez que généralement, le dimanche, ce que nous faisons, c'est que nous vous donnons la parole pour que vous puissiez vous exprimer sur le sujet de votre choix. Généralement, c'est la libre antenne. Nous vous laissons vous exprimer parce qu'à travers vous, nous apprenons tellement. Nous allons essayer de garder la coutume, la tradition, en vous donnant la parole, mais aujourd'hui, ça va être une parole particulière. Je n'aurai pas d'expert, je n'aurai pas d'invité, vous serez mes analystes aujourd'hui. Le sujet que j'ai choisi de discuter avec vous, c'est ce qui se passe au sein du FCC, vous l'avez vu dans le titre de l'émission. Après la défaite ou la déchéance du bureau à l'Assemblée nationale, les membres du FCC, en tout cas en général, ne parlaient plus le même langage. Certains appellent à la démission de la direction actuelle ou de la coordination actuelle du FCC. D'autres condamnent ceux qui en appellent à la démission du FCC. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Entre-temps, au-delà de tout, comme toujours, silence radio de l'autorité morale du FCC. Qu'est-ce que cette confusion au sein du FCC vous inspire? Comment envisagez-vous l'avenir de celle qui se réclamait la plus grande force politique en République démocratique du Congo? Comment expliquer ce qui arrive aujourd'hui? C'est le sujet donc, mesdames et messieurs, excusez-moi, que je vous propose aujourd'hui dans cette émission. J'espère que nous aurons le temps et l'occasion d'en parler. Bien sûr, nous allons vous proposer les images de ce dont nous parlons aujourd'hui. Après avoir vu toutes ces images, nous allons donc vous donner la parole pour que vous puissiez nous dire ce que vous pensez par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au sein du FCC. Comme vous pouvez l'imaginer, il y aura à boire et à manger. Vous êtes mes analystes du jour, j'aimerais bien savoir donc ce que vous en pensez. Je vous retrouve dans quelques instants pour ouvrir le bal. Allez. Baby, tenulikuwa kwa yule.
Voilà, elle s'appelle donc Alicios, c'est une très belle chanson, hein, Alicios Mutoto Goma. J'espère bien que vous avez aimé cette chanson et qu'elle vous a permis de relaxer. Ce que j'aime aussi dans cette émission, c'est que c'est vrai, il y a le confinement, mais je prends beaucoup de plaisir à venir tous les jours pour partager ce moment avec vous. Cela me rassure et me donne encore de l'espoir qu'il y a encore. On est unis ensemble, même si on ne peut pas se voir. Donc c'est un moment, je peux vous dire, assez exceptionnel que je passe avec vous. C'est un moment qui me console de ne pas être seul, n'est-ce pas? Vous aussi, j'imagine. Alors donc, c'est ce moment que nous allons passer ensemble aujourd'hui avec ce qui se passe au sein du FCC. Nous avons vu, sûrement, si vous ne l'avez pas vu, en tout cas, nous allons vous proposer les images dans cette émission. Marius, vous laissez-moi jeter un coup d'œil à un commentaire que j'ai reçu il y a pas longtemps, qui parle justement de ce qui se passe aujourd'hui au sein du FCC. Enfin, on peut m'aider à retrouver ça. Alors, le FCC, vous savez, depuis la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale est en train de se plaindre par rapport à la gestion donc de cette plateforme politique. Certains députés, ils étaient au nombre de 6, vous l'avez suivi dans cette émission, ont fait une déclaration où ils demandent une restructuration du FCC. Alors, notamment, il y a un nom qui est cité, excusez-moi, c'est celui du coordonnateur actuel du FCC, M. Néhémie Mouilania. Donc, certains au sein du FCC sont en train de critiquer la gestion chaotique de cette coordination après la première défaite aux élections présidentielles. Vous savez, Emmanuel Ramazani Shadary a perdu des élections. Puis, ce qui est arrivé à l'Assemblée nationale, finalement, les langues commencent à se délier au sein du FCC pour dénoncer la gestion de ce qui se passe au sein de ce parti. Comme je l'ai dit au début de l'émission, entre-temps, ce qu'on remarque, c'est le silence absolu de l'autorité morale, Joseph Kabila. Un silence coupable ou innocent, c'est ce que nous allons essayer de comprendre avec vos analyses tout à l'heure. Mais j'aimerais, avant de commencer ce débat, vous proposer ces images. La première, il s'appelle Agé Matembo, vous le connaissez, c'est notre ministre de l'aménagement du territoire. Il est du FCC, on l'a vu en image, en train d'aller accueillir Joseph Kabila à Kolwezi. Selon les images que nous avons, apparemment, il a l'air d'être quelqu'un qui a accès au cercle très rapproché de Joseph Kabila. Monsieur Agé Matembo, que nous allons essayer d'avoir dans cette émission, a fait une déclaration avec les membres de son regroupement, de son parti politique, membres du FCC, où il demande la démission des caciques, certains caciques du FCC. Donc, il c'est une déclaration un peu, vous voyez le titre, c'est la confusion. Alors donc, c'est le président de l'ANADEC. Je vais vous proposer ces images. Après, nous reviendrons sur un autre clip pour vous montrer que la personne qui fait ce genre de déclaration, c'est pas n'importe qui, hein, c'est quelqu'un qui est quand même qui a accès à Joseph Kabila. Avant de commenter les images, je vous propose d'abord de regarder. Sûrement que vous les avez déjà d'une certaine façon regardées, mais regardons pour nous rafraîchir la mémoire si vous l'avez déjà fait, et puis on va commencer à analyser. L'ANADEC réaffirme sa fidélité, sa loyauté et sa constance à son autorité morale, Joseph Kabila Kabangé, président de la République honoraire, sénateur à vie et héros vivant. L'ANADEC annonce à l'opinion tant nationale qu'internationale que sont écartés, à dater de ce jour, de la coordination, de la sphère décisionnelle, de toute influence possible du FCC et relégué au sein de leurs partis politiques respectifs, avec interdiction formelle d'engager le FCC puisque n'ayant plus qualité le personne ci après. Monsieur Néhémie Mouilania Wilonja, Monsieur Obin Minaku Njalanjoko, Monsieur Emmanuel Ramazani Shadary, Monsieur Évariste Boshab Mabouji Mabileng,
Monsieur Adolphe Lumanu Moulenda Bouanansef. L'ANADEC annonce le lancement d'un courant politique dénommé FCC progressiste. Courant politique qui vient désormais redonner espoir aux aigris, aux marginalisés et aux délaissés pour compte au prix du favoritisme en vue de conserver la majorité sacrée de la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Voilà, donc l'ANADEC dit qu'il écarte ou elle écarte les autorités, certains noms des caciques du FCC au sein de ce groupe et crée le FCC progressiste. Bon, qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Après cette déclaration donc de l'ANADEC, une autre réaction ne s'est pas fait attendre justement. Un autre parti politique, membre du FCC aussi, a réagi, déclaration politique de la jeunesse katangaise contre, qui fait partie du FCC bien sûr, contre la déclaration de l'UNADEC. Je vous propose, avant de revenir sur la personne, l'AG Matembo, qui est le ministre donc de l'aménagement du territoire, je suis en train de jeter un coup d'œil parce que je ne veux pas de confusion du tout aujourd'hui. Alors donc, la réaction donc de la jeunesse katangaise ne s'est pas fait attendre. Ils sont contre ce qu'a dit AG Matembo, ministre de l'aménagement du territoire. Regardez. Déclaration politique de la jeunesse de Bana Joseph. Nous adressons précisément à notre camarade AG Matembo Toto. Nous venons de suivre dans les réseaux sociaux ce qu'ils venaient de déclarer leurs membres de leur parti politique. Nous ne sommes pas contents de notre Moukouba AG Toto. Il vient de déclarer que notre secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Chader, Evariste Bochab, Néhémie Moulania, Adolphe Lumanu, ils n'ont pas droit dans l'FCC. Nous vous mettons en garde, camarades AG Matembo Toto. Nous sommes les élèves de Joseph Kabila Kabange. Chez nous, au PPRD, nous n'avons pas de prostituées politiques. Et nous ne voulons pas de prostituées politiques dans l'FCC. Si vous pensez que vous allez détruire l'FCC comme vous avez détruit l'ANADEF de Moukouba, moi ne suis pas personnellement, vous n'allez pas réussir. Nous venons de comprendre votre sagesse. Pour le moment, la porte de l'FCC est grandement ouverte à tout celui qui veut aller dans l'union sacrée. Nous connaissons votre méthode de travailler. Pour le moment, vous n'allez pas réussir. Si vous avez envie de détruire Joseph Kabila, nous, les kabilistes, nous allons rester avec Kabila jusqu'à la fin. Mingi mingi. Nous vous respectons beaucoup parce que vous êtes l'autorité morale de l'ANADEC. L'ANADEC, c'est un parti qui vient de naître à peine. Vous n'avez même pas 5 ans dans le monde politique. Tous les camarades de l'ANADEC, nous vous mettons en garde. Nous sommes dans l'FCC. Chez nous, dans l'FCC, nous respectons les autorités. Nous respectons tout le monde. Si vous avez l'envie d'aller dans l'Union sacrée, la porte est grandement ouverte. Et nous mettons en garde tous camarades du FCC ici dans le Haut-Katanga. Celui qui voulait aller dans l'Union sacrée, la porte est grandement ouverte. Pour le moment, nous avons braqué nos caméras sur vous. Et j'informe sur nos amis de l'UDPS que vous devez être prudent avec tout le monde qui va quitter l'FCC pour aller là-bas, chez vous, dans l'Union sacrée. Ils sont pas pris. Tout ce monde-là, ce sont des gens qui nous ont induits à l'erreur. Ils sont là pour leur intérêt égoïste. Mais pour le moment, nous, dans l'FCC, nous sommes éveillés. Nous sommes aujourd'hui avec Kabila. Nous étions avec Kabila. Mmh. Aujourd'hui, nous sommes avec lui. Et nous serons toujours avec lui. Nous pouvons agir maintenant, nous vous respectons beaucoup. Mais vous devez
Emmanuel Chadar n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a bâti campagne pour être président de la République. Il était candidat. Voilà. Emmanuel Ramazan Chadari a joué aux élections. Il est rentré au PPRD comme secrétaire permanent. Il est là, il continue toujours à servir hein, Joseph Kabila. Kabaye. Évariste Boshabe, notre leader. Wow. Nehemi Moulania, notre leader. Adolphe Lumanu, notre leader. Mingi, Mingi. Nous vous mettons à garde. Avec tous les camarades de l'ANADEC, il ne faut plus encore répéter des bêtises que vous venez de faire. Je dis, je vous remercie. Vous avez vu, ce sont des jeunes du PPRD, membres du FCC. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu un groupe de sénateurs du FCC qui, eux aussi, demandaient le départ de ceux qu'on appelle les caciques du FCC, leur reprochant leur gestion calamiteuse du FCC. Maintenant, j'aimerais revenir avec vous sur le ministre Agé Matembo. En tout cas, tel que nous voyons, tel que nous avons observé, si nous devons vraiment savoir qui la personne est, nous pouvons remarquer que c'est quelqu'un qui est proche, c'est une façon de parler. En tout cas, quand on a vu les dernières images de Joseph Kabila à Kolwezi, par exemple, comme vous pouvez le voir ici, c'est la personne qui est à ses côtés, il est allé l'accueillir, il fait partie du cercle très très fermé dans cet accueil. Alors, il y a quelques jours, la vidéo que je vais vous présenter tout à l'heure, que nous allons tous suivre ensemble, c'est juste pour vous montrer qui est la personne qui fait ça, ou qui a fait ça, c'est une vidéo qui va avoir des airs propagandistes. Voilà, donc ce n'est pas qu'on fait la propagande, nous n'avons pas été payés pour ça, mais je veux juste vous montrer à travers la vidéo que nous allons voir tout à l'heure, qui est l'initiative donc de Monsieur Agé Matembo, son amour, son attachement ou encore ce qu'on peut lire par rapport à son niveau de appelons ça pouvoir, par rapport au FCC. Donc, comme on a vu dans ces images, on peut voir quand même que, voilà, c'était quand même un événement à Kolwezi avec Joseph Kabila. On peut voir le gouverneur Mouyej à côté, mais juste à côté, il y a lui en train de discuter avec Joseph Kabila. Que cet événement se passe alors que Joseph Kabila se trouve dans le Katanga après qu'il l'ait reçu, voilà. Est-ce qu'on peut dire que, voilà, est-ce que c'est Joseph Kabila qui est derrière ou pas? Je n'aime pas polémiquer ni spéculer. Est-ce que, voilà, on se pose tellement de questions, c'est pour ça que le titre de l'émission, c'était « La confusion au sein du FCC ». Maintenant, je vais donc vous proposer ces images. Donc, je parlais des images de propagande de Joseph Kabila. Il a d'ailleurs fait une déclaration dernièrement que vous avez vue sur les réseaux sociaux. Je vous propose donc de regarder ces images. Et puis, on revient pour parler, discuter, vous écouter, essayer de comprendre ce que nous devons comprendre à travers cette confusion au sein du FCC. Un grand cœur pour encaisser, les nerfs solides pour résister. Bye.
Voilà, ces images, c'était simplement pour vous montrer qui est la personne derrière ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on appelle confusion au sein du FCC. J'aimerais en parler avec vous tout à l'heure. Un autre sujet sur lequel j'aimerais juste partager avec vous, parce que c'est la libre antenne le dimanche, c'est cette sortie médiatique de Peter Kazadi, qui est un de proches du président de la République. Il dit dans une émission de mon ami Jessica Basselé sur la RTNC, le panier, il dit que, en fait, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont convenus que, voilà, ok, on s'est convenu, voilà. En fait, bref, que l'accord de Nairobi, là, ils en ont parlé et puis c'était fini. Que il n'y a pas de problème, Félix Tshisekedi pourrait encore se représenter en 2023. Peut-être que je ne dis pas exactement ce que je devais dire. Je vous propose de suivre en images ce qu'il déclare. Et puis peut-être qu'on pourra en parler avec vous, n'est-ce pas? Allez, à tout de suite. Bato bazo propager na kati ya société awa o Tshisekedi akangisi Kamerhe po azala na 2023 te, c'est faux. Parce que Vital Kamerhe, là où il est, il m'entend. Les membres de son parti, ils peuvent bien m'entendre. Juste après l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, Vital Kamerhe est venu vers le président Tshisekedi pour lui dire, mon frère, c'est vrai que nous avons signé à Nairobi qu'en 2023, ça va être moi. Mais Ngai Vital, Nazotika aussi, il s'a demandé. Ngai Nagoya, na 2028. Je l'ai dit à la télé. Et je dois ici vous dire que j'ai une relation particulière avec Vital. Et vous assumez ce que vous êtes en train de dire? J'assume. Donc il assume tout ce qu'il vient de dire. Ok. Mais M. Kazadi, c'est un juriste qui a eu une conversation qui se soit passée dans un salon, quelque part. Bon, c'est une conversation, mais de l'autre côté, c'est des accords, il y a des papiers. Est-ce que ça peut avoir un effet sur les accords qu'ils ont signés? Si vous voulez en parler, je suis là, vous savez, moi je n'aime pas polémiquer. Même si je peux avoir mon opinion, je pourrais. Mais je vous propose à vous, puisque nous n'avons pas d'analyste aujourd'hui, à vous d'analyser avec moi ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est un peu une sorte de libre antenne, mais limitée à ces deux sujets, si vous voulez bien donc vous exprimer quant à ces deux sujets. Le numéro de téléphone, c'est le 001-202-847-94-74, si vous désirez donc réagir par rapport au sujet que nous vous proposons aujourd'hui. Allez, je vous écoute. À vous l'antenne, comme on dit. À vous l'antenne. Et puis, voilà. Allez, on vous écoute. Le numéro de téléphone est là. Appelez-nous. Nous allons prendre ce tout premier appel qui vient de Grande-Bretagne. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'aimerais intervenir dans l'émission. Vous êtes en direct. Vous appelez comment? Oui, je m'appelle Ibrahim Chimanga. Oui, Chimanga, je vous appelle à partir de Londres. On vous écoute, Ibrahim. Oui, j'aimerais intervenir par rapport à l'histoire du FCC qui est en train de... Voilà, l'histoire du FCC. Oui, j'aimerais premièrement dire que, voilà, il y a peut-être deux ans passés, Marius, quand on faisait l'émission avec vous, il y avait des gens qui ont répété chaque fois, c'est le langage ici, que non, les Israélites que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. En ce moment-là, il y a deux ans passés, et les gens voyaient ça comme si c'était quoi, c'était quelque chose d'anormal, on était en train de déraisonner, mais aujourd'hui, le temps est en train de nous rattraper un tout petit peu. Mais j'aimerais dire par rapport au coup. Vous voyez, Marius, dans la politique, il y a des partis comme le FCC. Je disais que le FCC est avec dans le bonheur. C'est comme si un enfant, a bercé pendant 18 ans, il a vécu que du bonheur. Du coup, il reçoit des coups, donc c'est difficile pour cet enfant-là qu'il puisse vivre. Allô? Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous attends, Marius. Allez, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, vous êtes très nombreux à vouloir intervenir. Dites-nous exactement ce que vous voulez nous dire, ce qui se passe au sein du FCC. Quelle est votre lecture? Donc, je pense que le FCC a la difficulté de recevoir des coups. Vous voyez, au fur et à mesure qu'ils sont en train de recevoir des coups, ils ne sont pas en mesure de concevoir, de recevoir aussi des coups. C'est pour cela qu'ils perdent leur pédale. Voilà.
Des partis comme le UDP, ce sont des partis qui sont appelés à recevoir, ils ont vécu 32 ans dans l'opposition, ils ont reçu tellement de coups qu'aujourd'hui, quand ils reçoivent des coups, ils savent comment c'est remonté. Mais le FCC, ils ont cette difficulté-là. Ils ne savent pas comment rebondir. D'accord, donc c'est la difficulté de, pour le FCC de rebondir après le choc. Merci beaucoup, on va prendre cet appel, un autre appel. Allô? Alors, bonsoir Marius. Bonsoir. Non, c'est Jacques de Chicago. Jacques, bonsoir, merci beaucoup. On vous écoute, Jacques. Alors, j'interviens juste au sujet présenté pour les sujets pour l'émission d'aujourd'hui. Mm-hmm. En fait, pour le FCC, c'est surtout la culture de l'inconstance chez nos politiciens. Ils vont là où ils suivent le plus offrant. Aujourd'hui, le plus offrant, ce n'est pas en termes d'argent, c'est le président Félix, il voit le pouvoir. Mm-hmm. C'est comme ça que les AG Matendo et autres sont en train de courir là où il a pouvoir, ils cherchent toujours un poste donc où ils peuvent exercer maintenant leurs ambitions. Donc vous êtes en train de dire, si je vous comprends, que voilà, ça montre ce que nous vivons aujourd'hui est en train de montrer que leur motivation c'est l'argent. Et maintenant que le président Tshisekedi le mais là il pas de l'argent, le pouvoir surtout. Le pouvoir. Mais lui n'est pas en train de dire je vais aller au sein de l'Union sacrée. Il est en train de demander d'écarter ceux qui ont géré mal géré le FCC jusque là. Effectivement, ils ont mal géré, c'est comme ça qu'ils cherchent à se repositionner. D'abord, je voulais vous dire qu'il y a même un article qui est sur actualité.cd que j'ai lu, où on attribue à l'ex-président Kabila qui dit qu'ils peuvent tous partir et ils veulent reconstituer les FCC avec ceux qui vont rester. C'est-à-dire maintenant, la chasse à la sorcière commence au sein du FCC. Et ceux qui veulent partir sont ceux qui sont assoiffés du pouvoir, ils veulent aller maintenant chez les plus offrants. Et puis, je pense que c'est lui qui a l'intérieur aujourd'hui. D'accord. Et merci. Pour nous autres Congolais, je voulais contribuer pour ajouter. Pour nous autres Congolais, je ne sais pas de quoi est-ce que nous pouvons nous prendre aujourd'hui si le FCC se dissout. Il y a des années, 2-3 ans, tout le monde se disait le mal, c'est le FCC. Et qu'aujourd'hui, le FCC est en train mais de se dissout. Mais ce n'est pas un problème, on ne se plaint pas. Il n'y a pas à se plaindre. On est en train d'analyser ce qui se passe. Le petit point, puisque je ne voudrais pas monopoliser le temps. C'est la culture même de l'insulte chez nous, dans nos émissions, et même pour les intellectuels. Je me demande, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, en fait on attribue certaines paroles à notre vieil Paul de Kimpele, si c'est vraiment de lui qu'il s'agit. Vous parlez des insultes, des insultes. Non, je voudrais, c'est un autre sujet où j'ai introduit, donc j'ai saisi l'occasion donc pour ça. Excusez-moi. Des insultes que l'on prévient à Paul de Kimpele. Bon, okay. Si vous ne m'entendez pas, difficile d'établir une conversation avec vous, ça va être compliqué. J'aime bien quand les gens me respectent, je les respecte. Voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. On va prendre un autre appel. Le numéro de téléphone s'affiche au bas de l'écran et on va partir à cet appel de RDC. Allô, cher Jérémy, bonsoir. Allô. Ah, bonsoir mon mari, comment vous allez? Bonsoir Jérémy, je sais que vous êtes parmi les fidèles téléspectateurs de cette émission depuis Kinshasa. On vous écoute Jérémy, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe, de cette confusion au sein du FCC? En fait, moi, je crois que c'est juste lié à la frustration, mais l'acte aussi que vient de poser l'autre, c'est juste de la goutte d'eau qui a fait déborder la base. Hein. Vous savez, au FCC, il y avait en tout cas... Jérémy, est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre récepteur, s'il vous plaît? Parce qu'il y a un retour là qui est pas très agréable. Je peux le faire. Moi, je crois que c'est juste lié à la bon. Alors, je disais... Allô, Marius? Oui, allez-y. Au fait, je disais, c'est lié à une division monolithique qu'avaient les caciques, hein, comme on les appelait les caciques du FCC. Mm-hmm. Pour eux, ils avaient une idée sur la coalition qu'ils avaient avec le chef de l'État. Et ils pouvaient dire n'importe quoi sur le chef de l'État et mettant même en mal les autres coalisés au sein du FCC. Mm-hmm. Et cette façon de voir les choses-là mettait en danger, je dirais, en danger entre guillemets, les autres membres de ces regroupements-là, et c'est ce qui a fait que quand les choses ont commencé à basculer dans le sens où le président de la République a commencé à mener son combat politique, à gagner son combat politique, alors de ça, on vit surgir.
Vous voyez, quand Néhémie, par exemple, il peut prendre une décision dans le sens où il se réveille, bon, je dirais, il se réveille un bon matin pour prendre un communiqué dans le sens où le président de la République a violé la Constitution et tout ça, il parle de toutes ces choses-là. Vous pensez que tous ces petits partis politiques-là... Donc, vous pouvez résumer ce que vous êtes en train de dire par... ça s'explique par des frustrations, il y a eu des frustrations au sein du FCC. Des frustrations au sein du FCC et les vouloir vivre ensemble aussi. Parce que, ne nous voilons pas la face, les gens du FCC ont eu à faire beaucoup de choses du mal. Mais le président de la République n'a pas vu ça et il a quand même trouvé mieux de coaliser avec ces gens. Il y en a d'autres qui ont quand même trouvé gain de cause dans ça. Mais quand des gens comme Néhémie, ils arrivent encore pour, je dirais, casser cette harmonie-là, il y a d'autres qui se voyaient déjà en danger. Par exemple, pour lesquels vous avez vu, on a deux camps. Il y a d'autres qui sont contre Néhémie au sein du FCC et il y en a d'autres qui sont contre Néhémie et qui sont entrés dans l'Union sacrée. Merci beaucoup Jérémy, voilà. Vous êtes très nombreux à appeler. Je suis désolé de vous couper comme ça, sinon on n'aura pas tout le monde. On va prendre cet appel qui vient de RDC encore. Allô? Allô, bonjour Marius, bonsoir Marius. Bonsoir. C'est Monsieur Amos de Plouboumbashi. Monsieur Amos, rapidement, on vous écoute, vous avez l'air de dormir. Non. Je suis debout. Allez, si vous êtes à Lubumbashi, ce qui est une bonne chose, vous vivez les choses là-bas, Monsieur Amos. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Monsieur Agé Matembo. Est-ce que vous le connaissez, vous qui vivez à Lubumbashi, quelle influence il a là-bas? Et vous avez également vu les jeunes de jeunes kabylistes qui se sont exprimés tout à l'heure. Quelle est votre lecture? Bon, la lecture, elle est simple, hein. Monsieur Agé Matembo, premièrement, lui, c'est un bon parleur, mais ce n'est pas un grand influenceur. Comme pour dire, ce sont des leaders des écrans, des plateaux de télévision. Moi, c'est là que je l'ai connu dans les émissions politiques. Et c'est comme ça qu'il a émergé. Dans les émissions politiques et ainsi de suite. Mais vous devez savoir que les médias, M. Amos, ça sert à ça. Font des ministres. Les médias font des présidents des républiques. Donc, il ne faut pas minimiser les médias. Si c'est à la télé que vous l'avez connu. Oui, c'est là que je suis de dire, à travers les médias, c'est là qu'il a émergé. J'ai bien dit. Mais voilà, qu'il a émergé. Le média, c'est un passage aussi pour émerger. Oui, émerger, c'est pourquoi j'ai dit que ce sont des bons parleurs, mais pas des grands influenceurs, parce qu'ils n'ont pas de base. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient de se passer, de sa déclaration, par rapport à l'impact que cela peut avoir, quand on voit aussi la déclaration des jeunes du PPRD? Bon, c'est là que je voulais souligner quelque chose en disant. C'est un combat de poids léger. Même au sein du FCC, c'est un combat de poids léger. Parce que après tout, au sein du FCC, les derniers mots, eux-mêmes savent qu'appartient à leur autorité morale. Même tout ce qu'ils font là, c'est sans effet, ça n'aura aucun effet. Mais l'autorité morale est restée silencieuse jusque-là. Hein. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, le silence de l'autorité morale, je peux même... paraphraser quelqu'un qui venait de parler ici, celui avec qui vous n'avez pas eu une bonne fin. Il a dit, paraît-il qu'il a dit, ils peuvent tous partir, ils peuvent reconstituer le FCC avec le reste. Je trouve que son silence est dû au fait qu'il connaît ce que c'est la fonction président de la République. Voilà pourquoi il ne veut pas à ce qu'il y ait confrontation directe entre lui et Félix Tshisekedi. Parce que s'il rentre en confrontation directe avec Félix Tshisekedi, il est gardé jusqu'à aujourd'hui d'une manière illégale par la garde républicaine. Bon, imaginez-vous s'il arrivait à appuyer sur le bouton de la confrontation avec Félix Tshisekedi. On peut dire que c'est Félix Tshisekedi qui le sécurise. Mais il suffit seulement de dire que plus question de garde républicaine. Mais on va le bouffer. Même si c'est Lubumbashi, il est caché, on ne le voit pas. On ne sait pas s'il est là ou s'il n'est pas là. Même Kaboula l'a abandonné parce que Kaboula ne veut pas s'ingérer des affaires politiques. Il veut juste reconstruire, rebâtir la ville. Et là, je lui jette le fleuve pour ça. Merci beaucoup, hein, cher Amos, pour cette intervention. On reste en République démocratique du Congo pour prendre cet appel. Allô?
Allô? Bon. Alors, on va prendre un autre appel. Allô? La RDC. Allô? Allô, allô? Bon, la RDC ne répond pas. On va peut-être essayer de prendre quelqu'un d'autre. Cet appel nous vient des États-Unis. Allô, bonsoir. Bonsoir, Marius. C'est Francis. Je vous appelle à partir de Denver, Colorado. Oui, Francis, on vous écoute. Oui, merci beaucoup. Marius, j'aimerais intervenir par rapport à cette émission, par rapport au sujet du jour. Et dans tout ça, moi, je suis en train de voir le FCC très affaibli. Aujourd'hui, ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé dans le passé. Alors, ils ont eu le pouvoir. Malheureusement, ils n'ont pas eu l'occasion de conserver ces pouvoirs. Le chef du FCC aujourd'hui s'appelle Némi Moulagna. Mmh. En fait, il est à la base de cet échec. Déjà, dans l'FCC, il y a eu beaucoup de frustration. Parce que moi, j'étais au Congo, je travaille au Congo, et je connais ce qui se passe au Congo. J'ai eu à parler avec certains députés du FCC. Il y a eu de frustrations qui ont commencé à ronger depuis longtemps. Et lorsque ces députés ou les caciques du FCC influents voulaient amener le débat, il y avait des personnes mal intentionnées, Némi, Bouchard et l'ancien candidat malheureux. J'oublie encore son nom. Mais il y a, excusez-moi de vous interrompre, il y a quand même, en fait, j'ai l'impression que chez nous, le chef n'a pas tort. Je vais vous donner un exemple. Mm-hmm. Si vous demandez aux gens qui aujourd'hui critiquent le président de la République, ils vont vous dire... Oh, le problème du président de la République, c'est qu'il est mal entouré. Lui, il est bien, mais c'est son entourage. Et ça, ce n'est pas qu'en politique. Hein. Je viens de la chronique musicale, je peux vous dire la même chose. On va vous dire, Weraza, bien, mais entourage n'a ende mouté boumak. Et c'est la même chose ici. On critique Némi Moulagna sans regarder Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est un saint, mais c'est Némi Moulagna et les autres qui l'influencent. Est-ce que vous ne pensez pas que là, on est en train de se tromper la cible? Oui, je n'en dis qu'on vient pas, mais je vais vous dire quelque chose. Je suis en train de faire une analyse très approfondie. Je ne pense pas que Joseph Kabila ait besoin de faire la politique. En fait, Joseph Kabila, en fait, ces gens-là, ces caciques sont en train d'amener, de pousser Joseph Kabila à faire une politique, alors que Joseph Kabila est déjà fatigué de cette politique. Donc, Joseph Kabila n'a plus envie de faire cette politique, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui pèsent sur sa famille. En fait, pour moi, j'ai conseillé à Joseph Kabila d'oublier la politique et de s'occuper de sa famille. Il a autre chose à faire. Parce qu'il est encore trop jeune. Ces gens-là, en fait, pour la plupart, ce sont des gens qui ont induit Mobutu en erreur. Voyez Kabila, je pense que tôt ou tard, vous allez me donner raison. Kabila n'a plus envie de faire la politique. Il a un poids sur lui. Mais ce sont ces gens-là. Aujourd'hui, vous avez entendu ce qu'Agi a fait. Et ça, ce n'est qu'une première. Il y aura beaucoup d'épisodes qui vont venir au fur et à mesure. Parce qu'il y a eu beaucoup de contestations déjà dans l'FCC. L'FCC est très affaibli. Très affaibli. Il y a de mécontentements au sein du FCC. Donc ça viendra, vous allez constater. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face du Congolais, parce que je sais que ces gens-là, ils aiment le pouvoir. Ils peuvent faire tout pour conserver leur pouvoir. Même Némi, cela ne va pas m'impressionner si je vois Némi aller, en fait, migrer du côté de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que ceci vous inspire à l'EFCC, la confusion au sein du FCC après la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale. Il faut dire que Monsieur Agé Matembo n'est pas le premier à le dire. Certains des sénateurs du FCC l'ont également dit dans une déclaration. Ils demandent la restructuration du bureau de la coordination du FCC et on a entendu également d'autres points de vue au sein du FCC qui demande donc la démission de la coordination actuelle dirigée par Monsieur Moulagna. Ce que Monsieur Matembo vient de dire n'est qu'une vase, une goutte qui renverse le vase. Donc, le vase, ouais, ok. Bon, on va prendre cet appel qui vient de France. Allô? Allô, bonsoir Marius. Bonsoir. Merci beaucoup, merci pour le thème et pour le travail que vous abattez là. Merci. Merci énormément. Vous appelez comment? Oui. Je m'appelle Sylvain, je vous appelle depuis Paris. On vous écoute, cher Sylvain.
Oui, j'ai envie de participer et de donner quand même mon point de vue en saluant nos spécialistes maison, hein, Maître Mopotou et Thierry depuis Kinshasa. Ouais, aujourd'hui c'est vous mes spécialistes, alors, ils ne sont pas là. Je vais profiter de vous aujourd'hui. Aujourd'hui ils ne sont pas là. Merci beaucoup, merci Marius. Allez-y. Bon, allez, détends-toi. Merci beaucoup pour le travail que tu fais. Bon, j'ai envie de dire ceci tout de suite. Ce qui arrive au FCC, c'est ce que les philosophes ont dit depuis tous les temps. C'est-à-dire, bon, Héraclite d'Éphèse disait, tout coule, tout passe, rien ne s'arrête. L'empire Kabila devait un jour ou l'autre tomber. Et aujourd'hui, ça, ce qui arrive, c'est le naufrage. J'aime bien tes analyses. Tu as dit là tout à l'heure qu'on est en train de se tromper des cibles. La personne qui est à la base du naufrage FCC aujourd'hui, ce n'est pas Mouilagna, ce n'est pas Bochab, ce n'est pas Chadar, c'est Kabila lui-même. Ça, c'est mon point de vue. J'ai dit c'est Kabila lui-même. Pourquoi? Alors, expliquez-nous, parce qu'est-ce qui vous le fait dire? Qu'est-ce qui vous le fait dire? Voilà, je le dis parce que, déjà, au FCC, c'est un parti, bon, un parti ou un regroupement de partis monolithiques, parce qu'il n'y a pas de démocratie là-bas. Lorsqu'il s'est agi de trouver un candidat à la présidentielle, est-ce que Kabila a consulter ses caciques ou son entourage? Il a bombardé Chadari. À l'Assemblée nationale, il a bombardé. Ils étaient en dernière minute. C'était en dernière minute. Ah, là. Voilà. Tu vois. Donc, ouais. Cet empire-là, lui-même, est à la base de cela. Et comme l'a dit notre compatriote qui vient de parler là tout à l'heure, c'est que Kabila voulait bien aller se reposer et laisser la politique de côté. Mais ils l'ont entouré. D'abord, ils ont un bilan calamiteux. Ils ont très mal géré le pays, des détournements, des tueries. Ils ont tué des Congolais. Ils ont détourné beaucoup d'argent. Ils ont laissé le pays au rez-de-chaussée. Ils ont laissé le pays malade là où ils l'ont laissé aujourd'hui. Alors, on ne peut pas dire que c'est simplement Kabila lui-même. C'est tous ces gens-là qui sont, d'abord en commençant par Kabila, et tous ces gens-là qui sont à la base du naufrage de cet engin-là, FCC. Et comme l'a dit précédemment mon compatriote, là, et qui vient d'intervenir tout à l'heure, il est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens qui partiront de là, peut-être pour assouvir leur soif d'argent ou leur soif du pouvoir, mais ce qui est sûr, c'est que la machine Kabila, ça appartient désormais au passé, ça. Il faut qu'on oublie ça. En tout cas, Kabila n'a pas encore dit son dernier mot. Merci beaucoup, Sylvain, pour votre intervention depuis la France. C'était un plaisir de vous avoir. Merci, Marius. Bonne soirée. Merci. C'est un plaisir pour moi aussi. Merci. Bonne soirée. Nous continuons, mesdames et messieurs. Le numéro de téléphone, il est là, au bas de l'écran. Dites-nous ce que vous pensez de cette confusion au sein du FCC. Nous allons prendre cet appel qui vient de 020-21. C'est quel pays, ça? Allô? Allô, allô? Allô? Allô, 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 allô? Bon, alors, plus 48, c'est quel pays? Allô? Allô, allô, bonsoir. Allô, allô, bonsoir, Marius. Bonsoir. C'est Patrick, je vous appelle. Bonsoir, c'est Patrick, je vous appelle à partir de la Pologne. Patrick, depuis la Pologne. J'adore la Pologne, j'aimerais bien venir là parce que ça me rappelle Karol Wojtyła, enfin, pape Jean-Paul II. Ah ouais, j'habite juste la ville où il était archevêque, à Cracovie. À Varsovie, c'est ça? Non, Cracovie. Cracovie, c'est là où il était archevêque. D'accord. Alors, Patrick, on vous écoute. Je vous remercie beaucoup pour votre travail, tout d'abord. Merci. Ensuite, je voulais dire ceci, hein, parce que les gens qui connaissent bien M. Kabila, ils parlent souvent que c'est quelqu'un qui pense vraiment beaucoup à lui. Et moi, je pense que le FCC, c'était pour lui... une de ses stratégies pour sauver sa personne. Et comme ça n'a pas marché, et maintenant je pense qu'il a commencé à son plan B, quoi, personnel. Ouais. C'est quoi le plan B? Bon, le plan B, c'est parce qu'on dit comme si c'est quelqu'un qui cherche à se sauver personnellement. Plan B, peut-être, il peut être dans de certaines négociations avec les pouvoirs en place ou peut-être avec la communauté internationale. Bon, alors les gens qui sont dans son milieu, ceux qui peuvent quitter les bateaux, ont quitté les bateaux, qui comprennent que voilà, ils sont allés vers l'Union sacrée. Et les autres qui savent très bien qu'ils ne peuvent pas quitter les bateaux,
ils peuvent rester que dans la FCC et ils cherchent un peu à faire d'une façon qu'ils peuvent démocratiser parce qu'ils n'ont pas où aller, quoi. Alors, c'est pourtant pas ce qu'on voit, hein, cher Patrick, parce que quand on écoute la déclaration du ministre Agé Matembo, qu'on écoute les jeunes du PPRD, leur problème, c'est que, voilà, ils se rejettent la balle. Kabila, la machine politique de Kabila, ils sont toujours fidèles à ça. Oui, oui, effectivement, c'est ça que nomme. Et ils pensent à ça. Ben, moi, je crois, bon, j'ai dû parler avec certaines personnes qui connaissent... qui connaissent Monsieur Kabila dans sa vie privée, ouais, non. Et ils disent quoi, ces gens-là? Ils disent, bon, ouais, c'est quelqu'un qui pense, qui vraiment à lui, à sa personne, ouais. Et alors, moi, cher Patrick, c'est selon, l'expérience en tant que Congolais que j'ai de Joseph Kabila, généralement, il ne vient pas toujours d'où on l'attendait. Hein. C'est quelqu'un il surprend toujours. Et généralement, il prépare toujours ce qu'il fait. Il fait jamais rien au hasard. Et quand les gens pensent une chose, il vient toujours ailleurs. Ouais, effectivement, c'est comme un léopard qui s'y reprend. Ouais. Mais ça peut nous parce surprendre aussi par rapport à ce que vous avancez jamais, hein. Comme argument. Il peut nous surprendre comment? Aussi. Hein. Je disais, il peut nous surprendre aussi quand on voit ce que vous avancez. Oui, bien sûr, c'est ça que j'ai dit. D'un côté, c'est ça que je ne dis pas que moi je ne partage pas. Excusez-moi, j'étais accoudé à mon iPad. Bien sûr. C'est ça que j'ai dit. Non, d'un côté, il y a lui, on ne sait pas ce qui se passe. Vous voyez? De l'autre côté, il y a les FCC. Et les FCC, bon, ceux qui ont quitté la navire l'ont quitté. Il y a des gens qui ne peuvent pas quitter la navire. C'est ceux qui sont restés, qui cherchent un peu à créer un climat où ils peuvent rester, quoi, un climat démocratique, comme un confrère qui a intervenu avant, qui disait, voilà, les responsables, c'est lui. Alors, il y a aussi des observateurs, cher Patrick, qui pensent que l'une des raisons pour lesquelles les députés du FCC partent, c'est parce que le président de la République a menacé de dissoudre le Parlement et finalement ils veulent pas perdre leur travail. J'ai même suivi l'ancien gouverneur du Nord Kivu, l'actuel ministre de l'Industrie, je crois, qui en parlait. Ouais. Donc, il y a tout ça qu'il faut mettre en compte quand même. Bien sûr. Il y a aussi ça, une des raisons. Mais il y a aussi, on ne peut jamais ignorer aussi qu'il y a quelque part aussi, nous tous sommes Congolais. Et que aussi ceux qui attendaient ces moments-là. Ça nous arrive tous dans la vie, on est dans un endroit où tout on murmure, non? Comme Tracy Chapman chantait que les gens murmurent, ils vont faire la révolution, ils murmurent, quoi. Et si un leader arrive pour cette révolution... Cher Patrick, merci beaucoup pour votre analyse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, vous êtes mes analystes du jour aujourd'hui. J'apprends tellement de vous savez. On va prendre cet appel qui vient des États-Unis. Allô? Oui, alors bonjour Marius. Bonjour. Oui, alors, je réponds au nom de Patrick. Je vous appelle à partir de Waterloo dans l'état de Iowa. J'ai déjà été à Waterloo. J'adore Waterloo. Alors, oui, vous allez bientôt revenir parce que je vous avais envoyé un message en privé, vous n'avez pas répondu. Oh, c'était dans... Vous m'avez écrit un mail? Bon, pas email, mais j'ai écrit envoyez-moi un message un mail, si vous voulez vraiment que je vous lise. L'adresse email est là, mariuschezvous@gmail.com. Je vous lirai et vous répondrai. Ok, je le ferai juste après l'émission. Merci beaucoup. On vous écoute. Quelle est votre analyse par rapport à ce qui se passe? Ok, mon analyse est que le FCC, c'est un regroupement de dizaines de partis politiques. La NADEC qui venait de faire la déclaration, c'est un des partis politiques qui fait partie de ce regroupement. Mais ce que je suis en train de constater est que le nom que la NADEC venait de citer pour comme des gens qui doivent être écartés de l'FCC, c'est le nom des caciques du PPRD. Alors le PPRD, c'est le parti qui est le parti phare au sein du FCC.
Et qu'on le veuille ou pas, l'AG qui venait de faire la déclaration, lui, il est juste venu rejoindre le PPRD ainsi que d'autres partis politiques. Et comme le monsieur qui a appelé de Bachir a dit... tout à fait le PPRD, parce que quand on entend les déclarations de ces jeunes... Oui, il n'a pas rejoint le PPRD, mais il est venu faire équipe avec le PPRD pour faire la majorité. Alors, comme le monsieur qui a appelé de Lubumbashi a dit que M. Lager a fait défection de la NADEC de M. Moine de Simba, qui a bu boira, dit-on. Donc, si M. Lager est tenté de faire ce genre de déclaration, c'est que quelque part, il ne voulait pas de lui-même partir peut-être de l'FCC, mais il veut créer une zizanie afin que l'FCC ou le PPRD puisse prendre la décision de le faire partir. Merci beaucoup. Ça, c'est mon analyse. Et quant à ce qui concerne le deuxième sujet, moi, je pense que M. Peter Kazabi, étant juriste, il ne pouvait pas venir aux médias pour faire ce genre de déclaration. Il devait faire beaucoup attention. Pourquoi? Parce que Kamere n'est pas mort. Kamere a son parti politique et il a un secrétaire général qui peut venir devant le média pour faire ce genre de déclaration. Parce qu'il y a des textes que nous avons lus qui consacrent qu'en 2023, Kamere doit être le candidat que Félix doit soutenir à la présidence de la République. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous souhaite une bonne soirée à Waterloo. À très bientôt. J'attendrai votre mail. Ok, merci. Merci, au revoir. Nous continuons, mesdames et messieurs. Dites-nous ce que vous pensez du sujet. C'est la libre antenne par rapport aux deux sujets que nous vous proposons aujourd'hui dans cette émission Maru chez vous. Dites-nous ce que vous en pensez. Je sais que vous êtes très nombreux en ce moment en train de nous suivre de part le monde, le FCC. Alors, beaucoup de gens en même temps se posent beaucoup de questions sur le fait que ce qui se passe aujourd'hui au sein du FCC ressemble à ce que mon ami appelait tout à l'heure, il appelait ça encore comment, la tour de Babel qui est en train de s'écrouler parce que bâtie sur des principes qui n'étaient pas solides. Et du coup, dès qu'il y a un petit vent, voilà, il tombe. Parce que vous vous souviendrez que nous étions tous étonnés de voir que M. Félix Tshisekedi, qui a gagné les dernières élections, ait gagné les élections sans avoir la majorité au Parlement. Oui, certains observateurs nous disent que parce que c'est des choses qui arrivent aussi. En France, il y a eu Mitterrand et Chirac, ils nous ont raconté des histoires. Mais si M. Tshisekedi a gagné les élections, et que on voit le nombre de députés que son parti a eu au niveau de l'Assemblée nationale, il y a de quoi se poser des questions. L'une, ça veut dire, M. Tshisekedi a gagné les élections présidentielles, il a aussi gagné les élections au niveau du Parlement, mais puisque ce n'est pas lui qui contrôlait la CENI, ceux qui le contrôlaient se sont octroyés des députés. Ça, c'est l'un des arguments qu'on peut avancer. Il y en a des dizaines. Je ne veux pas choquer des sensibilités, mais après, le FCC s'est constitué. Et maintenant, on voit ce qui se passe. Il suffit juste d'une menace. Vous savez, dans cette émission, on a fait des émissions d'analyse où certains disaient que ce n'est pas possible. Comment est-ce que Tshisekedi peut rêver même avoir une majorité au niveau du Parlement? Ce n'est pas possible. Regarde le nombre de députés que son parti a. Même s'il ajoute les partis politiques de Moïse Katumbi ou de Bemba, il n'arrivera pas parce que le FCC restera toujours majoritaire. Mais souvenez-vous, certains de mes analystes disaient, quand on voit comment la politique marche chez nous, en RDC, c'est possible. Parce que, voilà. Soit il y a la conviction, ce qui est peu probable par rapport à la politique dans notre pays, ou encore il y a conviction, corruption ou intimidation. J'ai juste cherché des noms qui terminent par Sion.
conviction, corruption, intimidation. Donc, la conviction, c'est que l'idée de, pour le président de la République d'écrire l'union sacrée est une idée noble que tout Congolais qui veut changer les choses au pays, enfin, à laquelle tout Congolais qui veut changer les choses au pays doit adhérer. Ça, c'est la conviction. La deuxième, c'est que les gens disent que connaissant les politiques en, chez nous, il suffit de leur donner de l'argent pour qu'ils changent de langage. Certaines vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux où certains députés ont déclaré avoir reçu de l'argent. Donc la corruption. L'intimidation peut être attribuée aux déclarations du président de la République qui nous a dit « Si je n'arrive pas à obtenir cette majorité, je reviendrai encore vers vous et là je n'aurai pas d'autre choix que de dissoudre le Parlement. » Et alors, des gens qui sont là ni pour conviction ni pour l'argent ou encore voilà, les députés, ils ont peur de perdre leur siège. Puisque ça n'a pas été bâti sur des principes solides, ils peuvent bouger, donc ils peuvent partir. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui au sein du FCC. Certains observateurs pensent que c'est un moment, comme Joseph Kabila l'a dit, c'est une occasion aussi pour nous qui sont, de voir qui sont avec nous. En tout cas, on peut dire tout ce qu'on veut, mais le FCC n'est pas encore fini. Je pense qu'ils doivent encore avoir autour de 200 et quelques députés encore, qui jusque-là restent encore fidèles à Joseph Kabila. Donc c'est autant de questions qu'on se pose et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous allons donc partir en Grande-Bretagne pour prendre notre ami Z+. Z+, bonsoir. Bonsoir Marius, bonsoir à tout le monde. Bonsoir cher frère, je sais que vous êtes en Grande-Bretagne. On a appris des nouvelles ce matin qui n'étaient pas très très bonnes. Cette mutation. On est encore reconfiné. Il y a une autre souche de Covid qui s'est développée chez vous. Oh là là. Alors que les bonnes nouvelles arrivent du vaccin, voilà encore qu'il y a une autre souche. J'espère que le vaccin va nous protéger aussi de ces souches-là. Il y a des bonnes nouvelles pour le vaccin. Il y a ceux qui critiquent aussi. On a vu des vidéos, on ne sait pas qui sont vraies ou fausses, on ne sait pas. Mais ça, ce n'est pas grave, ça ne m'étonne pas parce que c'est le principe du monde. Mais disons que... Vous applaudir, cher Jésus. Il y en aura aussi ceux qui vont vous critiquer. Moi, je ne m'y connais pas très bien en chimie ou en biologie, mais quand je vois les temps records avec lesquels que ces vaccins ont été produits, je... Il y a des gens qui pensent... Je suis hésitant. Ce que j'étais en train de dire, c'est que dans toute situation dans la vie, il y a ceux qui applaudissent et ceux qui critiquent. Toute situation. Tout à fait. Il n'y a pas d'exception à ça. Même la religion, même la Bible, même Jésus, tout ce que vous voulez. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui n'y croient pas. Alors je vous écoute, cher Z+. Disons que pour la confusion au sein du FCC, moi je me dis que ce n'est que normal, mais l'analyse que vous venez de faire il y a quelques minutes vient encore éclairer ma lanterne ou l'idée que j'avais en me disant que cette majorité, les gens qui sont dans les FCC, qui font un revirement vers l'union sacrée. Je ne pense pas qu'ils soient sincères. Je me dis toujours qu'ils les font pour les gains de cause. Ce sont des gens qui se disent qu'ils veulent pas aller en chômage et il n'y a pas d'autre solution. Ils se disent, bon, si nous devons suivre l'autorité morale et qu'on dissout le Parlement, nous deviendrons les chômeurs et on ne sait pas où nous allons partir. C'est la même chose que ce qui était arrivé en 97 quand Mobutu partait. Il y a eu des Mobutistes qui sont restés, entre autres le vieux Kinké Mulumba. Il n'a pas fui. Je ne sais pas. Vous savez. Connaissant un peu notre politique, je me dis, c'est Papa Molière. Hein? Papa Molière, les gens ne peuvent ne pas l'apprécier, mais moi, bon, je ne l'appuie pas, mais des gens comme lui, ils jettent toujours, ils jettent des informations en pâture. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit ce qui Félix Tshisekedi a s'occuper. Bon, Nabo c'est moi qui dis. Ce Félix Tshisekedi a solo libéré tout le monde. Salim Abe, ce tout le monde. Toko Kima et puis le sonde Tokimi Kabila. Vous voyez donc c'est une majorité pour une cause. Ce sont des gens qui ont peur et ils se disent bon non on se rallie à cette cause. Mais je crois que l'intérêt de la population n'y est pas. C'est vraiment ça ma crainte. Je ne pense pas qu'il y ait l'intérêt de la population. Ils pensent à eux-mêmes.
ils pensent à leur portefeuille. Merci. Et disons que le président de la République doit ouvrir un œil et il est bon. Voilà. Merci. Bonne soirée. Merci Z Plus. Bonne soirée. J'adore entendre Z Plus. Alors, on va continuer avec un autre appel. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Nous allons partir. Je pense que c'est un appel de RDC. Mais nous saluons notre ami Sele Mangaya qui nous regarde en ce moment depuis la Turquie. Bonsoir à toi, cher Sele. Merci beaucoup de suivre Marius chez vous. Allô? Allô? Voilà, la personne est partie. On va retourner pour cet appel des États-Unis d'Amérique. Allô? En principe, il n'y a pas de souci de connexion ici, non, aux États-Unis. Alors, on va prendre cet autre appel. Allô? Allô? Bonjour, c'est Billy Kalonji. Billy Kalonji, vous appelez d'où, Billy? Je vous appelle à partir de Peoria, Illinois. On vous écoute, Billy. De Illinois, Peoria. Oui, baissez le volume de votre récepteur, je vous écoute très bien. Vous n'avez pas besoin de m'écouter à la télé. Juste concentrez-vous au téléphone. Ah, donc, je vous appelle à partir de Peoria, Illinois. Ouais. D'accord, on vous écoute, Billy. Voilà. Donc, ma participation est celle-ci. Donc, la confusion qui s'est faite aujourd'hui au niveau du FCC, c'est vraiment trop simple. C'est du fait que nos partis politiques ne sont pas basés sur les idéologies. Le parti politique, donc, Nambour, on a vu chez un roi, il y a le roi dans la boutique. Au moins, on a idéologie, par exemple, Hazan nationaliste, on s'est retrouvé la ligne à la République. Donc, du fait que, pas il y a idéologie exacte, mais on a mis la confusion, je sais, la Katia FCC, parce que normalement, un kabiliste ne peut jamais quitter la Kabylie pour aller adhérer ou soit soutenir, par exemple, un tshisekediste. C'est vraiment quelque chose. Aux États-Unis, cher Billy, vous vivez ici les démocrates. On a vu, comment il s'appelle encore, le sénateur qui a voté aussi pour impeach Donald Trump. Comment il s'appelle encore non, c'est pas John Kerry. Qui a voté contre. C'est le seul d'ailleurs sénateur qui a voté contre Donald Trump. Ça peut arriver, tout dépend des convictions. Ouais. Voilà. Oui, ça peut arriver, mais c'est en masse. Peut-être les sénateurs là avaient, par rapport à Banine, un mot personnel et autres, mais chez nous, ça s'est fait en masse. Ça se voit clairement que, basant la politique, juste quand on a un intérêt personnel. Donc, et là, quand j'ai toujours dit, Moussa Lawana, société civile, il faut alloukaï et le peuple. Aide le peuple n'a qu'à présenter, ou soit société civile a reçu la proposition auprès du peuple et du parti politique où ils ont coexisté par idéologie. Et par exemple, le parti politique, on la considérera. Par exemple, l'UDPS et les Palous. Vous comprenez? Le Palou, malgré l'idéologie, ils ont vraiment clarté, mais vous trouverez quand même des combattants, ou soit bateau, il y a Palou, basant la conviction mouroboué. Et puis, si on regarde la IDOPES, au moins la IDOPES, malgré la blague de Bélé, au moins la IDOPES, il y a de ces combattants-là qui sont là par idéologie. Il y a Etienne Tshisekedi. Mais ce que ceux qui sont partis, ce soit sont pas mal, au moins la bango tantôt basant la gauche, tantôt basant la droite. Et puis, et là, nous sommes le bas qui est tenu par rapport à la majorité parlementaire, l'analyse motoro, autant que ça là. Donc, et là, quand on a la zone, on a la zone, on a la société civile. Parce qu'il y a une grande partie à la députée Nabisso, FCC a utilisé qui va terre sociale. Donc, qui est dans la campagne, Bako Sako Sabatou, Bazaki vraiment clarté, et Ambria qui est en break. Moi, j'ai des amis au Votaki, à Votaki numéro 20, la présidence, mais la qui est député a voté pour ta partie Moussous. Vous voyez un peu. Donc, ça, la société civile, il faut aider un peu Congo. Donc, donc, base de ma ramion, je suis à voter ma paix. Donc, nous les Congolais, nous votons vraiment trop mal. Tu votes vraiment bien. Tu vas toujours voter. Donc, malade, vraiment, il y a Congolais en Guana. Les bases ne sont pas. Donc, il faut se décider.
Ouais, bah, base, ça m'a la montée, quoi. Et ça, vraiment, m'a la montée, oui. Ouais, ouais. Ouais. Écoutez, merci, Mingien, pour la intervention, là, yo. Bonne soirée. Ouais. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Marius. Merci. Merci pour venir participer à Michel Olélo. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Voilà, nous allons continuer, mesdames et messieurs. Dites-nous ce que vous pensez, vous, de quel est votre point de vue par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au sein du FCC. Nous sommes très curieux de savoir ce que vous en pensez. Nous allons prendre cet autre appel qui vient de quel pays ? La France ? Oui ? Non. Le Canada, je crois. Ouais, c'est le Canada. Allô ? Allô, 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 allô ? Bon, on va partir. Le Canada ? Non ? Ok. On va prendre un autre appel qui vient de quelque part en Afrique. Allô ? Allô, 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 allô ? Bonjour, bonsoir, Marius. Bonsoir. Oui, allô, bonjour. Bah, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle nous sommes aussi. Ouais, ça dépend. Bah, j'imagine déjà beaucoup de temps aux États-Unis, donc je lui dis bonjour, bonjour. Il n'y a pas de problème, comme bah, vous voilà. Sentez-vous à l'aise. Ouais. Ouais. Alors, je vous écoute. Je me nomme Kevin Cessera, toujours en Tunisie. Kevin. Bah, oui. En fait, concernant les FCC, je pense, à mon humble avis, que le FCC ne veut pas lire les signes du temps. Les signes du temps, oui. Tout a un début et tout a une fin. Ils veulent juste forcer les choses. Parce que dès lors que nous voyons comment Kabila est parti et reparti après le discours du chef de l'État, sans rien dire, sans parler à aucun membre du PPRD et à l'aéroport par rapport aux vidéos que nous avions vues. Je sais pas si elles sont vraiment réelles aussi, bah, parce qu'aujourd'hui, tout se fabrique. La vidéo du président, de l'ancien président Kabila, pour Lubumbashi, il est en train de marcher, il n'y avait personne parmi les gens qui les accompagnaient, il n'y avait aucun cacique. Oui, quand il partait à Colés, voilà. Après la déchéance de madame l'honorable Jeannette Mabunda, comme présidente, il y a eu directement, il est parti. C'est comme si c'était une fuite en avance ou bien c'était comme une désapprobation de sa part, en tout cas. Moi, je pense que c'est un Kabila, c'est Jikaka, c'est quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un de silencieux, et même quand il parle pas, ses gestes peuvent dire beaucoup de choses. Peut-être là où nous pensons l'attendre, c'est pas là, il va toujours nous surprendre comme il a toujours fait par rapport au choix des ministres, des candidats qu'il nous a proposés, et c'est un fin stratège, il faut pas oublier ça, il faut pas, en tout cas moi je préfère que c'est pas, je pense pas que l'union sacrée. Pour moi, c'est comme l'équipe nationale de la RDC. Et tout le monde peut adhérer. Joueurs de Mazembe, de la France, tout le monde peut adhérer. Et tout le monde ne peut pas aussi être, parce que l'effectif est à 11 pour jouer et réserve. Donc, le FCC doit s'assumer et essayer de réorganiser leur parti, leur regroupement, et essayer d'ouvrir un peu le jeu, parce que c'était un peu unilatéral, en tout cas c'était un groupe de certaines personnes qui avaient pris un peu le FCC en otage. Cette fois-ci, je pense que Kabila doit essayer de rajeunir et essayer d'ouvrir un peu le jeu s'il veut toujours faire la politique, ou carrément il va faire son métier de journaliste. Merci beaucoup pour votre point de vue. Bonne soirée. Merci, cher Marius. Merci. Yeah. Direction France pour prendre, on va partir en France pour prendre cet appel. Allô ? Allô ? Allô, 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 allô. Bon, la personne ne répond pas. On va rester en France quand même. Allô ? Oui, allô, Marius. Oui, bonsoir. Baissez le volume de votre récepteur, s'il vous plaît. Entre-temps, vous êtes en nombreux à réagir sur notre mur. Allô ? Vous pouvez toujours nous donner votre point de vue. Oui, on vous écoute. Allô ? Allô, oui ? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô ?
Oh là là, quel dommage. Allô, dommage. Allô. Oui, on vous écoute. Hein. Si vous nous écoutez, vous nous dites que vous nous écoutez. Oui, je vous écoute bien, très bien. Alors, allô, vous, oubliez votre télé, concentrez-vous sur le téléphone et puis dites-moi ce que vous avez à nous dire. Oui, je voulais juste intervenir, Marius. Allez-y, vous êtes en direct. Ah oui, en fait, le problème du Congo ou le problème du FCC, les gens regardent de l'autre côté. Les problèmes majeurs, c'est le numéro 1 du FCC, donc c'est le monsieur Kabila lui-même. Hmm. Pourquoi? Puisque quand vous regardez Chadar ou vous regardez qui, Nehemi, c'est Kabila qui les a mis là-dessus. C'est Kabila qui les a donné le pouvoir de gérer les partis. Alors, quand vous regardez, quand vous voulez juger, comment vous allez juger les partisans qui est aux responsables? Ça, c'est pas possible. C'est au Kabila, il faut donner tous ces paramètres des problèmes. Parce que c'est lui qui gère, qui coordonne tout. Si le FCC, aujourd'hui, il est dans cet état, c'est parce que Kabila a mal orienté la FCC. Cette mal orientation, c'est ça ce qui a fait que le FCC aujourd'hui, il est tombé KO. Parce que Kabila, il voyait que lui, pourquoi pour tout ce monde-là, il ne voyait même pas l'intérêt du Congo, il voyait même pas l'intérêt de la population, il regardait que l'intérêt de Kabila. Ce que Kabila voulait, c'est ce que FCC faisait. Alors comment vous allez condamner au nom Nehemi, Chadar et tout, pendant que vous laissez Kabila comme étant un innocent, quelqu'un qui est bon, c'est qui la question tout, que beaucoup de gens se posent. C'est pas possible. Kabila, il est bon. Je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est le cas de tous les... Chez nous, c'est toujours comme ça. Les boss, eux, ils sont clean. C'est toujours l'entourage qui n'est pas bien. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Nous allons prendre un autre appel qui vient de France. Allô? Allô, allô, allô? Bon, la France ne répond pas. Direction Grande-Bretagne encore. Allô? 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 Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vous écoute. Bien. Moi, c'est Terry. C'est Terry? Vous dites que c'est Terry? Vous êtes en direct, c'est Terry? Oui. Je vous écoute, Terry. Ok, d'accord. Marius, moi, au fait, je pense que le problème avec le FCC, c'est il y a d'abord ce qu'on appelle le manque de leadership et de vision, en fait. Et il faut voir comment est-ce que le FCC a été créé. Le FCC a été créé pour contrecarrer le rassemblement. C'est-à-dire que non, sans idéologie politique, sans pilier politique, sans ambition. C'était pour contrecarrer le rassemblement à l'époque. Maintenant, le rassemblement n'existe plus. Donc, il y a maintenant un pays. C'est-à-dire que ton adversaire, on t'a créé à la taille d'un adversaire et ton adversaire n'existe plus, au fait. Il y a maintenant un vide. Ce qu'on appelle en politique le réalisme. Et dans le réalisme, on comprend que il y a, parce qu'il y a un vide, quelque chose doit être remplacé le plus vite possible. Alors, le FCC est sans idéologie. Le FCC, en fait, n'existe pas. Le FCC, ça n'existe pas. Ça a été créé pour pêcher, pour dédoubler. Vous avez vu que le FCC a dédoublé même l'UDP à l'époque. Il faut dédoubler les partis politiques. Il faut contrecarrer. Il faut faire ceci, il faut faire ceci, juste pour empêcher l'opposition à l'époque, représentée surtout par l'UDP, l'UNC, ainsi de suite, ce n'est pas d'être fort, d'être moins fort. C'est-à-dire que d'affaiblir. Mais maintenant, ce rassemblement n'existe plus et le FCC est perdu, au fait. C'est-à-dire que non, il est perdu dans la nature. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ce sont les caciques de FCC. Mais là, je rappelle que pour moi, quand j'ai parlé du manque de leadership et manque de vision, c'est d'abord Joseph Kabila. C'est d'abord lui qui est l'auteur de la chute du FCC. Ensuite, les caciques du FCC, tels que Nehemi, Mouilana et autres, ces caciques, pour moi, prenaient le FCC comme une secte. Comme j'ai dit, le FCC n'existe pas comme plateforme politique, c'est une secte. C'est-à-dire que non, c'est comme si on a maquillé la politique. On a maquillé un parti, on a maquillé quelque chose pour se faire grand, au fait. C'est-à-dire que c'était le PPRD qui voulait s'élargir d'une façon afin de garder le pouvoir, soit par la continuité de Joseph Kabila,
soit par un représentant. Voilà, puis vous l'avez dit, vous avez vu que non, Emmanuel Chadari a été choisi à la dernière minute. Dans un vrai parti politique, vrai caucus, regroupement, il devait avoir un débat. On devait d'abord choisir une personne bien avant. C'est-à-dire que c'était en retard. Même le choix d'Emmanuel Chadari, c'était un maquillage, au fait. Alors, c'est ainsi que ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, c'est comme, comment est-ce que je peux dire, c'est comme si vous n'anticipez pas, si vous ne pensez pas, si vous ne voyez pas au-delà de votre bout, de votre bout de nez, les mêmes causes produiront les mêmes effets, peu importe le dispositif que vous allez prendre. Alors, c'est ce qui se passe exactement en ce moment avec le FCC, de la manière dont elle a été créée. Et il y a maintenant les outcomes, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que non, les effets au fait, qui se réalisent naturellement en fait, sans pourtant qu'on puisse forcer. En fait. Donc, c'était ça. Merci beaucoup. Alors, comment vous expliquez le silence de Joseph Kabila? Alors, le silence de Joseph Kabila s'explique de deux façons. Première, d'abord, Joseph Kabila de nature, il n'est pas éloquent, ça il faut le reconnaître, c'est quelqu'un qui ne parle pas normalement, c'est quelqu'un qui n'est pas très extraverti. Alors là, on ne sait pas le pourquoi, point d'interrogation. Deuxième, c'est la prudence politique. Il ne peut pas se prononcer sans pour autant savoir. Gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire que non, il considère son adversaire aussi fort. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se prononcer. S'il se prononce et que l'adversaire marque encore un but, c'est son échec qui est dévoué. En fait. C'est-à-dire qu'il préfère envoyer ses caciques, les Mabunda, les Milouania, parler. Et quand eux parlent, même si Félix Tshisekedi marque son but, ça frappe le camp en général, mais ça ne frappe pas directement Joseph Kabila. Après, voilà, vous voyez que il y a certains de nos auteurs qui ont bien fait des analyses, mais qui disent que le problème, ce n'est pas Joseph Kabila, que c'est les Milouaniens, les Évariste Bouchard. Hein. Non, c'est une stratégie de Joseph Kabila, c'est une stratégie politique. Parce que si lui-même se prononce et que l'autre le contredit, c'est-à-dire que non, Félix Tshisekedi le contredit, ça sera une faiblesse de la part de Joseph Kabila. Mais là, maintenant, en ce moment, les gens disent que le Stina Rambo n'a pas encore parlé. C'est une stratégie politique. Donc, c'est une prudence, en fait. Donc, il est prudent, il ne veut pas se prononcer parce qu'il sait que s'il se prononce, il ne sait pas, il n'est pas un dieu, il ne sait pas comment. Bref, voilà, lui-même, vous vous rappelez, il n'a jamais dit s'il va se représenter aux élections en 2016. Il n'a jamais dit il y aura des élections. Quand on lui posait la question, il disait il y aura des élections. Pourquoi? Il était prudent. C'est-à-dire que non, il jouait le jeu de deux camps. C'est-à-dire que non, soit il va se représenter, soit il ne va pas se représenter, mais il dépend de la situation politique. C'est-à-dire que non, il dépend du réalisme. C'est ce qui va se passer qui va déterminer s'il va se représenter ou pas. Donc, il ne peut pas se prononcer. La même chose pour en ce moment. Il ne peut pas se prononcer parce qu'il ne sait pas. Il s'est dit que non, Félix Tshisekedi peut aussi dissoudre le Parlement et que ça marche. L'Union Sacrée peut aussi marcher et que lui, il échoue. Donc, lui, il préfère rester calme et voir. Donc, lui, il va évoluer selon la situation politique. En tout cas, merci. Vous appelez encore comment? Moi, c'est Thierry. Thierry? Ouais, depuis la Grande-Bretagne. Oui. Thierry, ouais. Merci pour vos analyses. Pas mal. Merci énormément. Je vous en prie, Marius. D'accord. Merci, au revoir. Bon, on va prendre peut-être le tout dernier appel de l'émission, si vous voulez bien, hein, avant de nous dire au revoir. Nous sommes en train de travailler pour voir si nous pourrions inviter donc le ministre ici sur notre plateau pour parler justement de cette actualité. Peut-être qu'il sera avec nous le lundi. Vous savez que nous avons l'habitude d'aller à la source pour vous avoir les informations qu'il faut et éviter toute manipulation et spéculation. Nous allons prendre cet appel. Allô? Allô? Allô, 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 allô? Allô, 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 allô? Allô, allô? Bon, allez, il y a un petit souci, on ne peut pas la voir, malheureusement. Allô? Vous m'entendez? Allô, est-ce que vous m'entendez? Non, pas du tout. Bon, on va finir. Sinon, non? Ok, le tout dernier. Alors, allô, allô, allô. Et le tout dernier appel vient de RDC. Nous allons essayer de prendre cet appel avant de nous dire au revoir pour l'émission Marius chez vous d'aujourd'hui. Allô? Allô, allô? Allô, bonsoir Marius. Bonsoir. Oui, je suis très ravi. Moi, c'est M. Maurice,
Je vous appelle depuis la RDC. Maurice, merci d'appeler. C'est toujours un plaisir d'avoir un appel du pays. Oui, je voulais intervenir, monsieur Marius, parce que je suis vraiment à votre émission tous les jours. Mm-hmm. Merci. Mais de tous les sujets intéressants que vous apportez ces derniers temps, moi, j'ai pris plutôt le temps de suivre les analyses des Congolais que nous sommes depuis que vous avez commencé vos émissions si intéressantes. Mmh. Alors, ce que j'ai trouvé sans parti politique, je ne suis pas vraiment un acteur politique, je suis juste un citoyen qui est intéressé de ce qui se passe au pays. Vraiment, la première analyse de tout ce que j'entends, je ne sens pas la politique de succession, de la valorisation de ce qui a été fait. En fait, il n'y a pas de bilan. Je n'entends pas les Congolais essayer de voir qu'il a fait des bons, que les présidents en place peuvent continuer avec, et qu'est-ce qu'il a fait de mal que le président doit rejeter. Ça, je n'entends pas. Et deuxièmement, s'il faut parler de la politique, on essaie de dire que les politiciens au Congo ne sont pas aussi fidèles à leur parti politique. Monsieur Marius, je voulais poser une question. Nous avons quelle expérience dans la démocratie? Et s'il faut parler de la démocratie, et on essaie de comparer notre démocratie avec de grands pays comme les États-Unis, la France, ainsi de suite. Les Congolais, nous essayons un peu de rêver grand, alors que nous sommes encore des bébés politiques. Ça, on ne doit pas ignorer. Et aujourd'hui, M. Kabila, qui l'on présente que des côtés négatifs, mais la démocratie en question, mais c'est lui, en fait, qui est venu avec, mais ça, on ne dit pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous ne devons pas induire le nouveau président en erreur. Quand vous dites la démocratie, oui, c'est lui, qu'est-ce que vous insinuez? Ben, dans la définition de la démocratie, il y a beaucoup plus les aspects liés aux élections. Donc, aujourd'hui, si nous avons bien étudié notre histoire, ben, moi, je peux dire que nous avons vécu des premières élections avec lui. Donc, c'est un atout. Ici, moi, je ne suis pas un partisan, mais j'essaye d'appeler les Congolais à avoir, à faire les bilans, Excusez-moi, Maurice. Oui. C'est votre droit de soutenir qui vous voulez, Joseph Kabila ou n'importe qui. D'ailleurs, dans cette émission, on est ouvert quant à ce. Mais j'étais en train de dire, quand vous dites la démocratie, c'est lui. Ok, en fait, nous ne devons pas avoir des... c'est lui parce que quoi? Parce que lui, il a permis à ce que ça se fasse comme ça, ou c'est la Constitution qui permet à ce que ça se fasse comme ça? Est-ce que c'est lui, parce que c'est sa bonne volonté, parce que c'est lui qui décide sur des millions de vues des vies des Congolais, qui décide de nous donner des élections qu'on le lui doit, ou on doit la démocratie à nos textes? Oui, merci beaucoup pour... merci beaucoup pour ces précisions. En fait, quand je parle de lui... Allô? Oui, je vous écoute. Allez-y. Oui, quand je parle de lui, je ne vois pas la personne de Kabila. Mmh. Je vois plutôt l'institution dirigée par Kabila. Mmh. Et qui est assise sur la constitution du pays. Mmh. Et c'est au nom même de cette constitution que nous essayons de dire aujourd'hui qu'il a mal dirigé. C'est ce que nous essayons de voir, ce que la constitution prévoit et ce qu'il a fait. Mmh. Mais c'est toujours au nom de la même constitution que j'essaie aussi d'évoquer les atouts qu'il a laissés. Mmh. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Congo devait asseoir sa gestion sur ça. Demain, le président Fati va passer. Est-ce que nous serons toujours en train de les critiquer au lieu de prendre aussi ce qu'il a fait de bon pour continuer? Il a intérêt à bien travailler pour laisser un héritage sur lequel on les critiquera, on l'applaudira ou on les critiquera. Voilà, donc c'est ça le truc. Et, je voulais finir par une proposition, si vous me permettez. Mm-hmm. Premièrement, la première proposition,
c'est que nous devons tous maintenant soutenir le président en place avec de bonnes initiatives qu'il est en train de prendre. Et aussi, deuxièmement, ça c'est une suggestion, si vous le permettez, j'entends, comme je l'ai dit, que je suis tout ce temps vos émissions avec des sujets intéressants. Alors, j'aimerais que vous ayez, c'est une proposition, des sujets qui poussent les Congolais à réfléchir sur comment développer les pays au milieu de cette grande potentialité qui est toujours chantée. Nous, les idées des Congolais, nous devons commencer par quoi pour développer le Congo? Parce que j'entends toujours maintenant, nous avons tous les yeux sur la politique. C'est vrai que la politique est intéressante pour la gestion, ainsi de suite. Mais tant que nous serons de voir que les présidents, ils essayent de faire des choses qui marchent, réfléchissons aussi sur comment développer les pays au lieu de rester toujours sur le passé. Et puis, par rapport au président Kabila, ben, moi, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire, mais je pense qu'il a fait son temps et c'est à nous maintenant de voir comment les choses vont évoluer. Travaillons au lieu de condamner qui a marché, qui a fait ceci. Je pense que c'était ça ma contribution, M. Marius. Merci beaucoup, M. Maurice, et surtout pour vos propositions. Bonne soirée hein, en RDC. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, c'est donc avec cet appel de M. Maurice qu'on va mettre un terme à cette émission, Marius, chez vous. C'est toujours un plaisir, vous le savez. C'est un privilège, je sais, de partager ce moment en votre compagnie, d'être là dans vos salons, en train de me suivre et de partager ce moment, de discuter surtout des sujets que je vous propose. Ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir combien vous êtes. Il y a tellement de valeur dans ceux qui suivent cette émission. Vous l'avez d'ailleurs remarqué dans cette émission, des analyses intéressantes. Mieux que des analyses que nous avons des analystes. C'est pour ça que chaque dimanche, nous vous donnons la parole pour que parmi vous, il y ait des gens qui sortent des idées qui peuvent nous édifier. C'est à ça aussi que sert cette émission, Marius, chez vous. Et si c'est pour la première fois que vous nous avez suivis, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Marius Muhunga TV ou encore aimer notre page Facebook et pour suivre nos émissions. Nous sommes en direct tous les jours, sauf mardi et jeudi, tous les jours à partir de 16h. De Washington DC, 22h de Kinshasa, 22h de Paris, 21h de Grande-Bretagne, vous pouvez faire de Londres, vous pouvez faire des calculs par rapport à l'heure de chez vous. Et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche. En fait, cette cloche vous permet de recevoir des notifications chaque fois que nous sommes en direct. Pour moi, c'est toujours un privilège de savoir que vous êtes là pour partager ce moment. Donc, je vous retrouve demain, si tout va bien. Nous allons avoir donc le ministre pour parler de cette actualité. Sinon, ce sera un autre sujet. Et j'espère vous compter parmi nous. Au nom de tous ceux qui, chaque jour, nous soutiennent et nous permettent d'être chez vous, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve donc demain à partir de 16h. D'ici demain donc, portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous. Je vous laisse en compagnie de Junior Fataki avec cette belle reprise du groupe Wenge Musica Tout Terrain 4x4. À très bientôt, je m'appelle Marius Muhunga et bonne soirée chez vous. Au revoir.
Hilo, Hilo bébé, Janana Hilo bébé, Hilo, Maître Jamosa. Fata qui met ma bise en la live. Et bien là-bas, t'as que t'as de là-bas. Et bien là-bas, bébé lèvres, t'as de là-bas. Bébé, bébé, comme tu dis, tu vois, crégata, crégaté, crégaté, yo baby. One, zero.